On va récolter du chardonnay et du chenin pour les blancs. Et on a planté du merlot et du pinot noir aussi. Donc on est à quelques jours de la récolte des blancs et puis on va attendre fin septembre, début octobre pour récolter les rouges. Ça fait 3 ans que ce vignoble est en train de prendre ses formes et on est sur le premier millésime aujourd'hui, 2019. On est à quelques jours de récolter les premières grappes et donc de marquer le départ des premiers vins du retour de la viticulture francilienne. Donc c'est un vrai bonheur. Ouais. On va faire des vins qui vont vraiment représenter le goût du lieu où ils sont produits et le fait de le faire sur un territoire d'art de vivre où on est au cœur de la plaine de Versailles, sur un site vraiment exceptionnel quand on regarde autour de nous, ça donne une dimension au futur vin et à notre travail au quotidien qui est très agréable. L'idée était de renforcer cette qualité de terroir des Yvelines, qu'ont les Yvelines, et ces vignes absolument magnifiques participent à cette volonté. Donc je suis ravi.